Hello, I'm Mufasa. I'm a dancer and choreographer based in Paris. I just want to do this video to share with you a wonderful remember when I was in Manila in Philippines with the team Hip Hop for Hope. We had the chance to visit the Girl Center there. It's the Girl Center from the local charity foundation called Onesimo, and we could share our skills and our love for hip hop with those girls, and we focused on self-confidence and empowering, and also like just share our experiences as women in this life, and it was really a strong remember. I want to share it with you, and I hope you'll enjoy it. On ne s'attendait pas à un tel accueil. Dès qu'on est arrivé, on s'est vite senti comme à la maison. Ils avaient l'air tellement fiers de nous montrer toute leur petite organisation, comment elles se répartissent les tâches. C'est vrai que c'est une organisation quand même super minutieuse, mais c'est surtout la joie, l'enthousiasme qu'elle dégageait qui m'a frappée dès que je suis arrivée. Peur des cafards? Mais non. C'est en parlant avec elle que je comprends qu'on a eu beaucoup de chance. Notre rencontre n'aurait pas eu lieu sûrement si on était venu la veille. Un incendie a causé bien des désastres juste en face du centre d'hébergement. J'ai l'impression que ça les a touchés. Et en même temps, elles dégagent toujours cette force, cette sérénité sans pareil.
en fait, pour moi, à ce moment-là, apprendre à compter jusqu'à 10, partager le repas avec elle, les voir rire comme elle riait, c'était vraiment un pur moment magique. C'était d'autant plus magique que quand on connaît leur histoire, en fait, on se rend compte que elles sont d'une grande sagesse, d'une très grande sagesse déjà, quand elles ont commencé à nous parler de leurs histoires respectives. Il y a l'une d'elles qui nous a dit « Je sais qu'à chaque fois que je raconte mon histoire, c'est comme un pas de plus vers la guérison, vers la libération. » J'ai trouvé ça... Elles ont une conscience déjà des choses qui est juste énorme. Et moi qui croyais apporter du réconfort, en fait c'était elle qui était en train de m'enseigner. Je sais pas, très vite, même si en entendant leur histoire j'avais le sang qui se glaçait et je sentais que c'était une espèce de vague de rage qui m'envahissait. Très vite elles m'ont rappelé à l'ordre en fait, avec leur sourire, avec leur détermination. C'est un vivier d'espoir en fait, ce centre. The second part, my ride is like art. We get creative in it when we take it out and spin it. The back seat is the canvas we paint it on. Abstractive work we create it on. The TV's in the back and the dash too. Got Miss Napkins and bamboo. Don't worry, the tint's past the legal one. Outcast banging loud in my eardrum. The way the wheels spin, cutting through the still wind. Outsiders looking in with the ill grin. Fuel injected, brand new inspected. Emissions got tested, details perfected. Got the armor all touched, empty out the Dutch. No tobacco spilling on my rug clutch. Kick off your shoes, show off your pedicure. Shake off the blues, we all forgetting more. Thank you.